Alors, la finale sera Italie-Angleterre, donc la finale de cet Euro 2020 qui sera diffusée donc dimanche à 21h sur M6 en direct. Alors, un petit article donc sur l'appli Euro 2020. L'Italie affrontera l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 dimanche à Wembley à 21h, donc à domicile pour l'Angleterre, encore une fois. Encore un match à domicile pour eux. Ils ont de la chance, hein, cet Euro. On fait le point sur le parcours des finalistes et sur leur passé. Alors l'Italie, on résume, groupe A, Turquie-Italie, ils ont gagné 3-0. Italie-Suisse, ils ont gagné 3-0 également. Italie-Galles, ils ont également gagné, donc ils ont tout gagné, l'Italie, clairement. Huitième de finale, donc l'Autriche, ils ont gagné 2-1 contre eux. Les quarts, donc 2-1 contre la Belgique. Demi-finale au tir au but, 1 partout contre l'Espagne et 4-2 au tir au but, donc. Finale précédente, 68, Italie-Yougoslavie, 2-0 pour l'Italie. France-Italie, 2-1 pour la France. Et Espagne-Italie, là, il s'était clairement fait martyriser hein, à l'Euro 2012. 4-0 quand même pour l'Espagne. Incroyable. Alors l'Angleterre, ils avaient gagné contre la Croatie dans les matchs de poule, 0-0 contre l'Écosse. À Londres également. Tiens, ils ont joué tout le temps chez eux, c'est incroyable quoi. Sauf les quarts de finale. Mais ils ont gagné 4-0 contre l'Ukraine. Et donc l'Allemagne, ils ont terrassé 2-0, demi-finale Angleterre-Danemark, donc qui s'est terminé ce soir. Angleterre, donc 2, Danemark 1 sur prolongation. Alors ils ont participé à aucune finale, hein, les Anglais. Donc voilà, c'est réglé. Les deux équipes se sont affrontées à 27 reprises. Les Azzurri ont remporté 11 victoires contre 8 pour l'Angleterre et 8 matchs nuls. L'Italie n'a remporté aucune des 8 premières rencontres entre les deux équipes. L'Angleterre n'a remporté qu'une seule victoire lors des 7 dernières rencontres. Intéressant. L'Italie n'a jamais perdu contre l'Angleterre lors d'une phase finale majeure, avec des victoires de 1 en Coupe du Monde de la FIFA en 90, match pour la troisième place, et en 2014, phase de groupe, en plus de ses victoires à l'Euro. D'accord, donc, d'après les stats précédentes, je dirais que l'Italie est plutôt favorite contre l'Angleterre, mais bon, après voilà, ça veut rien dire non plus. L'Italie n'a remporté aucune des 8 premières rencontres entre les équipes, l'Angleterre n'a remporté qu'une seule victoire lors des 7 dernières rencontres. Ouais. Bon, à voir. Je dirais que les parieurs sportifs vont dire que l'Italie est favorite. Mais encore une fois, vu qu'ils jouent à domicile, les Anglais, ma foi, attention, attention à eux, ils vont être boostés à mort. Donc, pour ce match de dimanche. Moi, je miserais plus sur l'Angleterre, hein, qui pourrait enfin gagner une compétition incroyable. Ça serait une première. Depuis, je ne sais plus combien de temps, je l'ai su, mais je ne sais plus. Voilà. Ma foi, je vous laisse réagir. Alors, qui va gagner cette finale, du coup? Réponse dans les commentaires.